Vous regarderez la première séquence du film. Guy Lafleur pourrait être mort, le poteau a transpercé le pare-brise, l'homme est assommé. Deux policiers arrivent, c'est des fans, ils prennent la situation en main. Regardez le film, lisez mon scénario, c'est la même chose. Admettons. Pourquoi tu veux parler maintenant? Parce qu'on m'avait promis que mon nom serait au générique comme idéateur. Il n'y a pas de nu-parole? Il m'a payé 25 000 $. Ce que tu me dis, c'est que c'est un bon menteur plus qu'un bon producteur. Es-tu vraiment décidé à raconter la vérité? Il a dû te faire signer une session de droit? Tu risques des poursuites. C'est dans les habitudes de Robert Côté. Moi, j'ai pas peur. Mais si ça vous intéresse pas, je vais appeler notre journaliste. Je pensais que le matin avait plus de guts que ça. Justin! Justin! Faut que je te parle! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Robert Côté t'a menacé, c'est ça? Foutez-moi la paix. Tu restes ici. Laisse-moi la paix. Je vais te laisser la paix quand tu vas me raconter ce qui se passe. Reste ici, mon petit salaud. Tu penses-tu vraiment que je vais te laisser détruire 20 ans de carrière? C'est toi qui es venu me voir avec ton histoire. Je t'ai cru et je pense encore que tu dis la vérité. Tu t'es fait avoir par un producteur véreux, tu t'es fait voler ton œuvre, et là, tu renies ta parole. Si je parle, il pourrait me réclamer 100 000 $. Il m'a promis de tourner mon premier film. J'ai déjà signé un contrat de scénarisation. J'aurais pas dû vous parler, mais j'ai pas réfléchi. T'aurais pu revenir 3 fois sur tes déclarations avant que j'écrive un mot. Tu réalises-tu le dommage que tu me causes? Je suis salie dans tous les médias sociaux. Je m'excuse, mais j'ai pas pu faire autrement.